Bonjour à tous, dans le cadre de notre émission Jardiner ça fait du bien, je vous propose d'entretenir et de faire du bien aux rosiers. Nous sommes en plein été et notre petite jardinière Nicole est actuellement à la caméra. Nous sommes dans notre jardin, mais nous allons nous projeter bien ailleurs pour explorer à la fois les maladies des rosiers, les ravageurs des rosiers, également les herbes indésirables, mais également des bons conseils de taille, parce qu'après la première floraison, il faut penser à la suivante. Nous sommes à la fin de la première vague de floraison et il est très important à la fois de tailler le rosier pour pouvoir permettre une nouvelle floraison, ce que l'on appelle la remontance pour le mois de septembre, mais également de vérifier tous les problèmes phytosanitaires parce qu'ils sont très nombreux, surtout lorsque la saison est pluvieuse. La maladie cryptogamique la plus fréquente que l'on rencontre sur les rosiers est le marsonia ou maladie des taches noires du rosier elle est extrêmement facile à identifier tout simplement parce que on a des taches circulaires dont le bord est très très finement découpé. On dit que ça fait des fibrilles. Et ces taches vont s'élargir jusqu'à se retrouver les unes à côté des autres, voire complètement envahir la feuille comme ici et nous allons passer au stade supérieur qui est le jaunissement avec une chute très précoce de la feuille. On voit ici qu'il y a quand même une attaque assez importante. Nous sommes simplement au tout début juillet et petit à petit l'arbuste est en train de se déplumer complètement. Il faut ramasser très très soigneusement toutes ces feuilles qui sont tachées parce qu'ici on a toute la possibilité pour le champignon de continuer à se propager et à envahir les années suivantes notre rosier. La bouillie bordelaise, qui est le seul fongicide disponible aujourd'hui pour les jardiniers amateurs, n'agit que de façon préventive, c'est-à-dire qu'il faut traiter avant que la maladie apparaisse sur le rosier. Et donc le mieux, c'est de traiter au printemps. En revanche, à l'automne prochain, lorsque le rosier commencera à perdre naturellement ses feuilles, eh bien, on fera une seconde pulvérisation de bouillie bordelaise pour empêcher les spores du champignon. De pénétrer à l'intérieur des rameaux, notamment par l'articulation de la feuille. À l'automne, tout naturellement, lorsque la feuille va tomber, on a ici une petite plaie et les spores vont rentrer par là. Donc, si vous pulvérisez de la bouillie bordelaise, ça fait tout simplement une excellente protection. Autre maladie cryptogamique spectaculaire et très reconnaissable, la rouille du rosier est due à plusieurs espèces de champignons, mais principalement Phragmidium mucronatum. D'avril à septembre, les feuilles se tachent de nombreuses petites pustules jaune orangées. La maladie se développe par temps doux et humide lorsque l'eau stagne sur le feuillage pendant au moins deux heures. La rouille se développe d'abord à la face inférieure du feuillage, puis elle traverse le limbe en formant alors des ponctuations brun-noir. Les rosiers anciens du groupe Alba, tels Célestial et Cuisse de Nymphe, ou les Galliques comme Charles de Mille ou Gros Province Panaché, se montrent particulièrement sensibles à la rouille qui fait tomber le feuillage prématurément. Tout comme pour le Marsonia, la bouillie bordelaise reste le seul fongicide efficace, mais la pulvérisation doit être effectuée avant l'apparition des premiers dégâts. Autre petit problème parasitaire que l'on rencontre souvent en été, ce sont des feuilles dévorées sur le bord, comme ça. Le bord devient tout crénelé et c'est dû aux otiorynques. Les otiorynques sont des petits coléoptères dont les adultes sortent uniquement la nuit et ils viennent dévorer les feuilles. Alors c'est assez spectaculaire, mais en soi, c'est pas très dangereux. En revanche, ces otiorynques pondent dans le sol et les larves de l'otiorynque vont ronger les racines et les otiorynques vont, au fur et à mesure de leurs attaques, affaiblir le rosier. Alors il existe un traitement totalement biologique à base de nématodes qui sont des vers microscopiques qui vont parasiter les larves de l'autorhynque. On va diluer ce produit dans de l'eau, arroser le sol et vous aurez une protection efficace et naturelle. Spectaculaire mais d'une gravité limitée, ces feuilles découpées en demi-cercle sont l'œuvre d'une abeille solitaire, le mégachille du rosier. Œuvrant de juin à août, ce petit hyménoptère tapisse les parois latérales de son nid avec sa récolte qui servira à nourrir ses larves. Les mégachilles sont des insectes pollinisateurs très utiles il est donc conseillé d'intégrer un hôtel à insectes dans le jardin pour les héberger, ce qui limitera leurs dégâts, d'autant qu'ils sont essentiellement d'ordre esthétique. Un des problèmes majeurs que l'on rencontre avec les rosiers durant la période de végétation, et la concurrence avec certaines plantes sauvages indésirables. Il est facile de se débarrasser de quelques touffes d'herbe d'un coup de binette, mais il n'en est pas de même pour le liseron, dont les tiges volubiles s'entortillent autour des rameaux épineux des rosiers. Il se forme alors un réseau inextricable qui peut, à l'extrême, recouvrir tout le buisson. La concurrence en eau et en éléments nutritifs que génère le liseron réduit la croissance du rosier ainsi que sa floraison. Un bon conseil donc, arrachez la moindre pousse de cette convolvulacée dès que vous la voyez pointer au-dessus du sol. A la fin de la première floraison, c'est-à-dire souvent vers la fin du mois de juin, eh bien il va falloir tailler les rosiers. On va les tailler de façon très particulière, de manière à favoriser la nouvelle floraison. Ici j'ai un rosier iceberg, c'est un rosier de Cordes qui date de 1958, c'est un des tout 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 meilleurs rosiers pour le midi pour le soleil et notamment parce que sa couleur blanche ne passe pas au soleil. En revanche, c'est un rosier puissant et pour qu'il fleurisse tout le temps, parce qu'il peut remonter jusqu'au mois d'octobre, on va le tailler une fois que la floraison est en train de passer. Regardez ici par exemple, on a les pétales qui tombent tout facilement comme cela. À la base du bouquet floral, on a toujours au moins une feuille avec trois folioles. Ces feuilles servent à alimenter les fleurs et on ne les compte pas. En revanche, les feuilles classiques de rosier qui ont cinq folioles, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien elles elles vont compter pour notre taille. Une, deux, trois de ces feuilles à cinq folioles que je vais supprimer en coupant ici au-dessus de la quatrième feuille. Si le rameau est un peu dénudé, Suite à une attaque de Marsonia, eh on va aller rechercher le premier petit départ assez vigoureux qui se trouve à peu près au niveau de notre troisième ou quatrième feuille. Et donc cette petite pousse, dont on voit déjà les prémices des feuilles, va assurer la croissance de la nouvelle tige et la floraison du mois de septembre. Bien entendu pendant toute la période estivale, vous allez devoir arroser régulièrement vos rosiers mais uniquement au pied de manière à ne pas mouiller le feuillage, ce qui favorise le développement des maladies cryptogamiques et notamment du marsonia que nous avons vu tout à l'heure. On arrête également de fertiliser les rosiers pendant toute la période de chaleur à plus de 25 degrés, c'est pas la peine de les nourrir, ils sont légèrement en repos. En revanche, ils repartiront de plus belle dès la rentrée. Et c'est avec Perle, notre petite mascotte, que je vous dis au revoir et à très très bientôt sur New Jardin TV, bien sûr, pour un nouveau numéro de Jardiner. Ça fait du bien.